quart de tour, les amis. Donc les gars là, on est parti avec sa mobylette. Je suis pas trop habitué. Guidon vachement rapproché hein. Là on va aller doucement parce que c'est les premiers kilomètres qu'on fait. Les gars, c'est vachement nerveux comme mobylette. À conduire à une main, c'est vachement compliqué aussi. En plus, là, il y a l'étang, là où on avait filmé juste avant la présentation. En plus, c'est des routes que je connais pas, ça se coud un peu. Mais franchement, elle est agréable niveau le bruit. Juste le bruit, je sais pas si vous l'entendez. Mais c'est un bruit qui est vachement agréable à conduire. Oh putain, il me fait passer où? Donc les gars, on est en train d'installer l'application Mon Itinéraire pour pouvoir vous faire la Vmax et la vitesse d'accélération et le nombre de kilomètres que j'aurais fait. On va ouvrir l'application. Écoutez le bruit. Une petite accélération vachement sympa. Rétroviseur juste ici. Un peu plus haut que le mien quand même. C'est pas la même forme. Il teste ma mobylette. Voilà, là on lâche. Franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal de peps. Par contre, là, il y a des bruits de vibration. Les gars, cette mobylette, ça vibre dans tous les sens. J'ai le cul en compote. Franchement, on verra sur l'application combien de kilomètres j'ai fait. Et c'est pas si mal que ça. Stop dans 150 mètres. Hein, les gars, on a le compteur intégré, c'est vachement sympa ça. Jamais conduit une mobylette avec compteur. Après, je regarde pas forcément le compteur parce que je suis pas vachement habitué. Mais pour vous faire plaisir, je peux essayer de regarder dans une Vmax. Bon bah les gars, là on arrive sur une place. On va s'arrêter là. Et regardez les statistiques de l'application Mon Itinéraire. On l'éteint. Petit klaxon. Hop là, garé. Donc voilà les gars, la petite mobylette 103 MVL. Vachement sympa à conduire, mais beaucoup de vibrations. C'est son reproche que je mettrai. Donc tout de suite, on va regarder l'application Mon Itinéraire. L'application Mon Itinéraire. On va sauvegarder. On va mettre test. C'est sauvegardé. Donc on a fait une vitesse moyenne de 13,8 km/h, sachant qu'on s'est arrêté. Une vitesse max de 60,9 km/h, quasiment 61 km/h. Sur le compteur j'étais à 70. L'aiguille voulait aller plus loin mais elle pouvait pas. Après on a quand même fait 3,58 km, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà. Donc les gars, si cette vidéo vous aura plu, mettez le petit like. Vous abonnez juste en dessous. Hein, comme je vous l'ai dit, cette mobylette, elle vibre beaucoup. C'est tout ce que je lui reprocherais. Sinon, elle est idéale pour conduire. Donc voilà, les gars. N'hésitez pas à mettre le commentaire. Je réponds à tout le monde. Allez, ciao.